Eh bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, on se retrouve aujourd'hui sur Formule 1 2017 PlayStation 4, la suite de ma carrière chez Toro Rosso. Et aujourd'hui, on est au Grand Prix de Chine, les qualifications viennent de se terminer. Ça a été très compliqué. Très compliqué, comme vous le voyez, il tombe des gouttes. On a une météo vraiment capricieuse, j'ai fait beaucoup de tours pendant les essais libres. J'ai pour améliorer au mieux ma voiture, cependant... Ben en qualif, c'est pas ça du tout. Je prends 10 secondes, je tourne en 1.45. Alors j'ai vérifié sur F1 2016, je tournais en 1.36 ou 1.37. Et là, j'arrive pas à faire mieux que ça. J'arrive pas surtout à gérer que tout le monde a conduit en super soft sur une piste humide. Ça, déjà, ça m'a paru bizarre, mais c'est vrai que c'était quand même tenable. Il y avait certains endroits où effectivement ça adhérait pas trop. Mais aussi j'ai fait des réglages 100% piste sèche et vitesse max. Parce que la Chine, il y a une ligne droite qui est assez énorme. Donc peut-être que ça m'a pénalisé sur piste humide. Mais au moins j'aurai mes réglages qui seront conservés pour la course. J'espère que ça se passera beaucoup mieux en course. Là aussi, une nouvelle surprise. Lewis Hamilton n'a pas eu le temps, tout comme Esteban Ocon, de faire un temps. Hamilton qui a abandonné en Australie, partira dernier en Chine. Alors lui, sa saison, elle est vraiment maudite. Et sur le reste de la grille, voilà un petit peu comment vont partir les autres pilotes. Je perds pas mal de points au niveau approbation de l'équipe, mais en recherche là ça va bientôt s'améliorer et j'ai 400 points longévité. Voilà, longévité ça vaut quoi? Ça vaut 500, réduit de 5% le taux d'usure de l'ensemble des éléments. Ça sera à faire tout de suite, puis après il y en a sur les côtés. Pour essayer de tout réduire au maximum, quoi. De réduire toute l'usure. Bonus premier pilote. Il y a des petites choses à améliorer qui se débloquent un peu plus tard. Bon, eh bien on va passer à la course. Depuis le dépassement de Jenson Button par la sauveur de Felipe Massa dans le virage 1 lors du tout premier Grand Prix de Chine en 2004, Shanghai a toujours été le théâtre de courses palpitantes et mémorables. C'est ici que Lewis Hamilton a perdu le titre lors de sa première année en F1 et que Nico Rosberg a offert à Mercedes son premier titre en 2012. Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide malgré ses 16 virages. Les courbes à droite, très serrées des virages 1 et 2, mettent la patience et le talent des pilotes à l'épreuve, ainsi que la ligne droite sujette au vent de travers. Deux zones de DRS facilitent les dépassements dans le virage 1 et au bout de la ligne droite d'un kilomètre en arrivant dans le virage 14.
C'est avec un Nicolas Martin au mieux de sa forme que nous allons suivre cette course et j'ai vraiment hâte qu'elle commence. Bien sûr, c'est une course délicate avec son lot de surprises et d'incidents. Souvenez-vous du tristement célèbre Grand Prix de 2007. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je dirais que c'est en partie dû à la difficulté du circuit lui-même. C'est un tracé très exigeant pour les freins. Il y a cette très longue ligne droite qui débouche sur l'épingle très serrée du virage 14. Les virages 6 et 11 ne sont pas en reste. Ajoutez à cela la gestion des pneus avant, toujours problématique ici. Il y a donc beaucoup de facteurs à prendre en compte dans ce Grand Prix et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton, accompagné de Raikkonen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas, Ricciardo, Max Verstappen et Massa, Stroll, Perez, Grosjean et Nico Hülkenberg, Magnussen, Sainz, Julian Palmer et Alonso, Van Doorn, Verlaine, Marcus Ericsson et une Toro Rosso, Ocon. Et pour finir, Lewis Hamilton en queue de peloton. La phase... Et c'est parti pour ce Grand Prix de Chine. Le soleil est au rendez-vous, la piste est sèche. Ça sera des conditions bien meilleures que pendant les qualifications, les 5 feux rouges qui s'allument et qui s'éteignent. C'est parti. Très mauvais départ de Verlaine, ça me profite. On a aussi Magnussen, Van Doorn qui sont assez lents. Trois pilotes sur la même ligne, là, juste devant moi. Ça va bouger, attention. Oh là là. Allez, je me cale derrière mon coéquipier Carlos Sainz. Je me retrouve à l'extérieur ici. Oh, on est gêné, on est totalement gêné, on est trois sur la même ligne. Je suis touché, je suis à moitié sur le vibreur. Oh là là, les deux McLaren. Les deux McLaren devant moi. Je suis 16ème. Quel départ. Quel départ. Putain. Allez, McLaren. Si c'est réaliste, je devrais en faire qu'une bouchée dans la ligne droite. Mais me voilà 16ème. Bon bah, deux places de gagner. Pas ouf, mais c'est plutôt pas mal pour un départ. Bah, vous savez quoi, je vais mettre directement le carburant riche pour ce premier tour. Parce que ici, on va envoyer du lourd. Ici, ça va envoyer Van Doorn, l'aspiration, le décalage. Est-ce que je peux avoir Alonso ? Il est un petit peu loin. Oh là là, la vitesse max. C'est énorme. Il freine tard Fernando, mais moi aussi. Je le prends bien à l'intérieur de la chicane. Et je me retrouve 14ème derrière mon coéquipier Carlos Sainz. Oh, que je peux avoir aussi, il a fait une mauvaise accélération. J'ai le carburant riche. Faut pas le sous-estimer. Oh! Il m'a fait peur, il a gardé sa position. Carlos Sainz, attention, il s'énerve. Et ouais, c'est aussi un des objectifs, si j'arrive pas à avoir les points, c'est de finir devant Carlos Sainz. Parce que c'est l'actuel pilote numéro 1 de chez Toro Rosso. Et que si je veux gravir les échelons, il va falloir que je commence par devenir numéro 1 chez Toro Rosso. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas, vu la course que j'ai fournie en Australie. Là, j'ai plus carburant riche, et pourtant, je suis assez bien dans le rythme. On va voir si je peux tenter quelque chose dans la ligne droite. Une bonne entrée. On va pas prendre trop de risques non plus. La course est longue. Oh, drapeau jaune derrière. Je suis un peu loin pour avoir l'aspiration. Oh, drapeau jaune, drapeau jaune, drapeau jaune. Ericsson hors course. Et voiture de sécurité virtuelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ericsson? J'essaierai de mettre les ralentis intercalés. Parce que là, je vous commande ça en direct. Et du coup, j'irai voir les ralentis en fin de course. Allez hop.
On enlève déjà la voiture de sécurité virtuelle. Et c'est reparti. Moi, je voulais en profiter pour dépasser Carlos Sainz. Je le gêne un petit peu et je vais lui prendre l'intérieur. Si j'ai une meilleure accélération, ça devrait le faire. Il s'est pas rangé, hein. Il est toujours sur le côté. Ah là là. Oh, il se bat. On va faire une connerie là si ça continue. On est les deux côte à côte. On dirait Ocon et Perez là. J'ai réussi à gagner la place. Ça, c'est super important. Là, je l'ai pas lâché. Hein. Je me suis pas rabaissé. Il va falloir que j'aille chercher la Renault de Palmer. Peut-être dans la ligne droite avec le DRS et avec le carburant riche que j'active tout de suite. Ça va aller vite là, ça va aller très vite, j'ai déjà l'aspiration. Je vais pouvoir décaler plus le DRS que j'active maintenant. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite la Renault hein, quand même. Hein. La Renault est pas mal. Oh, je vais doubler celle-là aussi. J'ai doublé Hülkenberg. Je me retrouve 11e. Et je bénéficie du DRS à cet endroit-là. Ah, c'était chaud, les gars. Je pense que la Renault est légèrement plus puissante en ligne droite. Parce que j'avais quand même DRS plus carburant riche. Et je l'ai à peine doublé. On va voir ce que ça donne avec les As de Grosjean et Magnussen. Devant, on a Perez. On a aussi Stroll. Je suis peut-être en train de fumer mes pneus. 22%. Toujours Hülkenberg derrière. Pas trop de signes d'Hamilton et de Ocon. Ils sont partis en dernière ligne. Allez, les points sont là. Il va falloir que je reste... bien concentré. J'aurais pu accélérer plus, mais j'ai pas la place. J'ai pas envie de risquer la collision. Je suis assez bien dans ma course. Sur l'essentiel des dépassements, ça sera sur la ligne droite. On peut dépasser ailleurs aussi, mais ça me paraît plus compliqué. Allez! La As de Magnussen, je me rapproche. Je me décale, j'utilise le DRS. Et le gros freinage derrière. J'ai pas la place de dépasser Grosjean. Mais j'obtiens la 10e place. Oh, je suis parti en glisse là. Je sais pas si il y a eu une touchette. Mais en tout cas, j'ai senti l'arrière de ma voiture partir. J'enlève le carburant riche, on va s'en garder un petit peu pour le deuxième relais. On a Perez, on a Stroll, on a Grosjean et Benito 8e. Oh, j'ai touché. J'ai touché Romain Grosjean. J'espère que ça n'aura pas trop d'influence sur mes performances. A priori oui, ce qu'on m'avait dit dans les commentaires. Même si je l'avais pas beaucoup ressenti, j'avais plus senti l'usure des pneus. Et là j'ai trop joué à l'agressif. Là encore je suis très très proche. Je suis dans les roues, dans l'aileron de Romain Grosjean. Et Stroll a l'air en difficulté, hein. Pourtant avec une Williams, ça me paraît un peu bizarre. Allez, faut que je fasse une bonne accélération ici. On reste dans la traînée. Même si là, on voit qu'en ligne droite, je pense que la As est peut-être un peu plus puissante. Quoique là, je reviens bien. Je reviens même très bien. Le gros freinage, le blocage de roue de Romain Grosjean, mais qui va garder l'avantage. Et il s'arrête au stand.
Moi, je vais m'arrêter au prochain. Prochain tour, je m'arrête. Bien joué, Kevin Magnussen. L'ancien rival, l'ancien coéquipier, mais qui me faisait tout perdre chez Renault. Ben tiens, je le redouble. Joli 1-2. Dépassement, redépassement. C'est chaud, les gars. Bon, là, on est plus sûr de la préservation. Je vais rentrer au stand. Je fasse un bon tour. J'ai pas les pneus pour aller chercher Stroll. Je pense que c'est un peu illusoire d'aller le chercher aussi en ligne droite. Je pense qu'il a, il a que ça, le pauvre Stroll. Parce qu'il a l'air un peu en difficulté. Alors qu'avec une Williams, il devrait être nettement au-dessus. Si je peux avoir le DRS, ça serait sympa quand même, parce que lui ne l'aura pas, il a personne devant lui. Rentrer dans la ligne des stands devant lui, ça peut être un objectif. Je mets le carburant riche. Regardez. Carburant riche. Là, j'ai le DRS, ça va peut-être faire la diff. Mais il me tient. Malgré ça, il me tient très très bien, sachant que j'ai carburant riche plus DRS. Lui, il a rien. Et il arrive à me maintenir à distance. Allez, je vais rentrer. Je rentre dans les stands, donc là je suis en automatique, hein, je touche pas la manette. Il y a une limite de vitesse, voilà, hop, elle est respectée, il n'y a pas de pénalité. Allez les gars, on va vite, cette fois-ci on me laisse ressortir direct. Parce qu'il y a du monde, il y a beaucoup de monde dans la ligne droite là. Allez, faut ressortir là, hop, voilà. La McLaren, la Renault derrière nous. Et on repart direct, ça c'est bien, on repart devant Stroll. On est reparti devant Stroll. Alors que lui-même était rentré dans les stands avant. Oh, c'est bon ça. Ça c'est très très bon, je ressors dixième derrière Sergio Perez. Et derrière moi j'ai Felipe Massa maintenant. Alors là c'est plus la même histoire. Je pense qu'il sera meilleur que Stroll. Et que dans la ligne droite je vais prendre assez cher. Et on a 7 tours à boucler pour finir cette course et pourquoi pas finir dans les points. Le Grand Prix qui paraissait maudit en qualification et en essai libre. Les essais libres, j'ai quand même passé beaucoup de temps dessus pour réussir les objectifs. Et les qualifs, j'ai jamais réussi à faire un bon chrono. Là, Perez, ça va être assez énorme ce qui va nous mettre en ligne droite. Massa est assez loin, donc ça c'est plutôt bon. Je remets du carburant riche que je vais utiliser maintenant avec des pneus neufs. Coéquipier au stand, yes. Ah, il était devant nous, ça veut dire. On va peut-être le doubler, on va peut-être faire mieux que dixième en fait, tant qu'il ressorte. Là, d'avoir d'autres pilotes au stand, je ferai peut-être mieux qu'une dixième place. Trois pilotes au stand, il y a Verlaine, il y a Van Dorn, il y a Sainz. Et donc après les arrêts au stand, je suis septième. P7. Ça serait énorme, mais est-ce qu'après c'est tenable sur la durée? Parce que derrière moi, il y a Massa que j'arrive bien à garder loin. Massa, je veux pas qu'il revienne à hauteur du DRS. Perez, il a évidemment l'avantage moteur. Ça, c'est indéniable. Mais j'arrive à peu près à le suivre. Parce que je suis en carburant riche. Et j'aurais peut-être même le DRS ici. J'aurai le DRS, je pense. J'ai fait un très très bon virage là. Je suis un peu à l'extérieur pour rentrer dans cette ligne droite un peu compliquée.
En tout cas, j'empêche Massa de revenir sur moi. J'active le DRS, Pérez ne l'a pas. Il n'a pas le DRS, je reviens très très bien sur lui. 330 km/h. Le freinage, c'est pas pour tout de suite. Oh, je le double. Je le double, Pérez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une très très mauvaise sortie de chicane. Et je suis 6ème. Avec le carburant riche, je suis intenable. 1.39.4 en chrono. Je me sens très à l'aise sur ces pneus soft. Et Pérez, il tient pas. Même Pérez, même Sergio Pérez ne tient pas le rythme. Bénitien. Par contre, devant, c'est très très loin. Si je termine 6, ça peut être la plus haute marche sur laquelle je peux aller. Parce que je me vois pas du tout rattraper Max Verstappen. On va tenter de bien rouler et de finir la course à la 6ème place. S'il n'y a pas d'incident entre temps. Parce que mes pneus en sont à 13%, ça va. Je sens pas trop les difficultés liées à l'aileron endommagé. Et on rentre bien là dans cette ligne droite. Toujours en carburant riche, il me reste 1,25 de carburant. En DRS, j'arrive pas à 330, hein, j'arrive à peine à 320. Et ouais, tout à l'heure, Pérez, je le prends à l'intérieur. Et au lieu de garder sa trajectoire, il a mis un petit coup de volant à l'extérieur. Peut-être qu'il a cru que j'allais le toucher. Mais je pense que si forçait le passage, il aurait pu conserver sa position. Quoi qu'il en soit, je le maintiens quasiment à 2 secondes derrière. Attention à ce virage-là. Je suis rentré beaucoup trop vite. Du coup, j'étais extérieur. J'ai peut-être perdu un petit peu de temps. Nous voici toujours en carburant riche. 4 tours encore à boucler. Devant, il prend peut-être un peu d'avance. Hein. Il est déjà 8.9 secondes, bientôt 9 secondes. Et pas de signe de Lewis Hamilton. Je sais absolument pas où il est. S'il est devant, s'il est derrière. Logiquement, il doit toujours être derrière. Et là, je me sens très très bien. Bon, après, voilà, je roule quasiment depuis le début en carburant riche. Hein. J'ai pu prendre les dépassements au bon moment. Quand je vais enlever le carburant riche, on ressentira peut-être la différence parce que cette ligne droite, elle est énorme. Cette ligne droite, tu peux facilement... Oh, problème! Problème sur Bottas. Il doit sûrement être devant nous. Problème mécanique peut-être. Pas d'abandon en vue. S'il passe 5ème, il y a peut-être encore un espoir d'aller le chercher. Ouais, je disais, dans cette ligne droite, tu peux prendre une seconde de tour. Hein. Je pense que ça va être le cas des McLaren. McLaren Honda qui doit prendre un temps monstrueux dans cette ligne droite. D'où le fait que j'ai développé en premier la puissance et l'aéro. Lorsque ces deux composants seront améliorés, on aura un moteur plus puissant. On aura pas mal d'aéro. Et je pense qu'on va déjà prendre de l'avantage par rapport à nos adversaires. Et après, on développe... en priorité, l'usure des composants. Je mets 3 secondes à Pérez. Hein. Pérez, il tient pas. Il tient pas mon rythme. Qui est pas pourtant ouf. La Chine, c'est pas un circuit où je suis assez performant pour aller chercher une victoire, je pense. Bahreïn, ouais. Bahreïn, juste après celui-là, Bahreïn, ça va envoyer. Je dis pas que je vais aller jouer un podium avec une Toro Rosso. Mais déjà, sur les qualifs, Bahreïn, je peux faire un top 12, top 10. Top 10, ça serait bien. Top 10 à Bahreïn. Et il y a moyen que j'aille chercher des points à Bahreïn aussi. Allez, ça continue.
Le bon freinage, voilà. Je suis bien concentré. Je suis dans ma course. Là, il n'y a rien qui m'inquiète. Personne devant, personne derrière. Je suis 20 secondes des leaders. Je fais 4 secondes 2 à Perez que j'éloigne de plus en plus. Je parle pas trop, je reste concentré. Il reste 2 tours, on parlera après. On parlera à la fin de la course parce que là, je suis pas loin. Hop, on remet le standard. Il est 20% du jour. Je suis pas loin de faire mon premier exploit, entre guillemets, en F1. Chez Toro Rosso, à savoir une 6ème place en Chine. Et les premiers points de la saison pour l'écurie Red Bull. Après, je vous l'avais dit, hein, j'ai développé. Enfin, j'ai les réglages. Les réglages qui sont faits uniquement pour la ligne droite. Hein, donc, si je perds du temps dans les autres secteurs, c'est pas grave. Parce que je dois récupérer mon temps dans la ligne droite. J'ai mis l'aéro au minimum. Les suspensions, la pression des pneus. J'ai tout réglé en fonction pour avoir une voiture rapide en ligne droite. Ça a été mon seul objectif de réglage. Bottas 5ème. On sait qu'il est en difficulté. Je le rattrape un peu. Je pense que ceux qui sont devant ont perdu du temps à essayer de le dépasser. Honnêtement, je pense pas avoir le time pour aller le chercher. Surtout qu'il est en difficulté, mais sans plus. Il a pas l'air si lent que ça. Il a quand même une Mercedes. Et Perez est désormais à 5 secondes. Je commence à les voir. Hein. 5.38 pour Bottas. On va voir. Si dans la ligne droite il est très lent, on va le savoir tout de suite. S'il me reprend du temps ou pas dans la ligne droite. Parce que là il est à 5.38. On va voir au bout de la ligne droite à combien il est. Je remets du carburant riche, on sait jamais. Je remets un peu de riche pour la ligne droite. Il est juste là, Bottas. Hein. Il est vraiment à l'agonie. Ça peut être un dernier tour de folie avec ce carburant riche. Il est à combien là? Il est à 3 secondes 8. Je lui prends 2 secondes par secteur. C'est impressionnant là ce qui va se passer. Dernier tour du Grand Prix de Chine. Alex Benito chez Toro Rosso avec une 6ème place. Bottas 5ème et en difficulté avec sa voiture. Va-t-il réussir à conserver sa position? Je vais pas être trop agressif, hein. Je vais essayer d'aller chercher, mais sans plus. 2 secondes 8. Et je baisse le carburant parce qu'il me reste que 35. Faut pas aller chercher la panne. La panne d'essence non plus. Il est là, Bottas. S'il a une difficulté en ligne droite, on va sûrement le doubler. Après voilà, là je commence à avoir beaucoup d'usure aussi. Je pense qu'il va finir devant, mais juste devant notre nez. Je mets le carburant riche. Ça va pas être suffisant. Sébastien Vettel qui remporte le Grand Prix de Chine.
Il est là, Bottas, mais il va garder sa place. Il va garder sa position sur une Mercedes bien en difficulté sur ce Grand Prix. Je revenais bien. Hein. Je revenais très bien sur lui, mais je suis content. Je suis très content de cette sixième place. C'est un bel objectif qu'on a réussi à avoir avec l'écurie. Ça fait vraiment plaisir. Très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat ? Eh bien, ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection. Il y a une foule de facteurs à prendre en compte lors de la neutralisation de la course. Faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves ? Est-ce que votre avance est suffisante ? Combien de carburant pouvez-vous économiser ? Si vous prenez les bonnes décisions, vous avez toutes les chances de l'emporter. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Il est temps de se détendre et de savourer cette victoire après ce fantastique Grand Prix. Voici nos trois vainqueurs qui montent sur le podium. Pas de Lewis en vue, un Bottas en difficulté. Je pense qu'au classement constructeur, Ferrari va prendre dès la deuxième course un avantage considérable. Tant mieux. D'un côté. Parce que moi, je vais supporter Red Bull aussi. Hein. Le classement pilote. Sébastien Vettel prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui ? Le pilote de Toro Rosso a réalisé la meilleure performance aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'ils reviennent de loin. Ce n'est jamais facile de manœuvrer dans la mêlée. C'est une performance admirable. Jetons à présent un œil au classement constructeur. Ferrari renforce sa position de leader au championnat. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. On espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péripéties et découvrir qui sera le nouveau vainqueur. Ouais. Comme je disais, je vais supporter Red Bull hein, vu que c'est l'écurie mère de Toro Rosso. 8 points. On passe devant Renault, devant Haas. On n'est pas loin de Force India. Classement pilote avec ses 8 points, je passe devant Perez, devant Stroll, devant Hülkenberg, devant Lewis Hamilton qui n'a que 4 points cette saison alors que Vettel en a déjà 40. C'est assez énorme hein, la saison qui se passe pour Lewis Hamilton. Et derrière il y a encore des pilotes qui sont en zéro, Carlos Sainz qui n'a pas encore marqué. Bon bah écoutez, moi je vais aller voir le ralenti pour faire le montage. Je vous dis à la prochaine, salut à tous.